toi, là, tes lunettes, là, vas-tu faire de quoi avec ça? Des verres de contact, ça te tente pas, là? C'est un petit peu plus sexy, hein? Je suis pas une chanteuse pop sexy, moi, je fais de la politique. Eh oui, mais c'est la même affaire, là. Les gens, ils votent pour la personne qui va le mieux les fourrer, tu sais, aussi bien être sexy. Je veux pas fourrer personne. Ben là, c'est justement pourquoi on n'entend pas parler de toi, tu veux me fourrer personne. On dirait que tu penses que les gens, ils veulent entendre parler d'enjeux sociaux, non? C'est ça, la politique. Non, c'est pas ça. C'est parce que souvent, c'est qu'au Québec, là, il y a trop d'opinions différentes pour que tu amènes des solutions claires et que tout le monde soit d'accord. Fait que dans le fond, ce qu'il faut que tu fasses, là, c'est qu'il faut que tu sois assez bullshiteux pour qu'autant l'artiste du plateau déconnecté que le jambon qui écoute de la radio poubelle à Québec ait le goût de voter pour toi tellement c'est pas clair où tu te situes. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est en état honnête et intègre. T'es plate! Pas ça, là! Tu comprends rien. Faut que tu vois l'électorat comme si t'étais dans un gangbang, OK? Puis faut que tu satisfasses le plus de personnes possible. OK? Fait que toutes les opinions t'es dessus, tu tripes dessus. OK? Gaz de chasse, on est contre. Ah, les compagnies privées sont là. OK, on est pour aussi, hein? On pèse les pour et les contre. Ah, les étudiants, on vous supporte. Ah, mais on est pour la hausse. Tu veux? Regarde, polyvalence. Essaye, hein, t'es capable? Non, ça va être beau. Il y a un croisé. T'es capable de faire un croisé? Oui. C'est que t'es plate. Au moins, François Legault, il essaye, lui. Bon, il est pas super bandant avec cette personne, mais il essaye. Tu sais, les gars, là, c'est bien. J'aime mieux faire confiance à l'intelligence du monde. Faire confiance à l'intelligence du monde? De quoi tu parles? Les gens, ils écoutent Occupation Double. Là. Les gens, ils travaillent. Ils n'ont pas le temps d'être intelligents. C'est pour ça que les gens ont voté pour Jean Charest, parce que Jean Charest, il leur dit « Je m'occupe de tout, je vous explique rien, et anyway, vous êtes trop cave pour comprendre. » Puis ça, ben, c'est rassurant de se faire traiter de cave. Tout le monde est capable. C'est pas de pression, là. Moi-même, je suis capable d'être un cave. Puis là, toi, t'arrives, tu dis « Oh, on va respecter votre intelligence. Hey, fuck you, là. Être intelligent, c'est ta job, pas la mienne. » Si on leur explique les enjeux, ils vont comprendre. Faut juste avoir le respect. Le respect. Le respect, la confiance, l'intégrité. Écoute, c'est de la politique que tu veux faire, des cours de pastorale. Je suis pas humoriste, moi. Je peux pas faire des jokes de graines pour faire passer mes messages comme toi. Je fais pas juste des jokes de graines, quand même. Alors, c'est vrai, tu fais des jokes de plot aussi. Oui, puis des très bonnes. Toi, tu peux pas dire plot, là. T'es politicien, t'as pas le droit, là. Ouais, tu es humain comme tout le monde. Ouais, ça d'ailleurs, va falloir qu'on en parle, là. T'es pas assez humain. C'est vrai, quand on te pose des questions, là, t'es rationnel, puis t'amènes des faits, puis tout ça. C'est pas de même, ça marche au Québec. Au Québec, faut que t'aies de l'émotion. Faut que tu sois émotif. Tu mets de l'émotion là-dedans. T'sais. Chacun son style. Non, non, regarde, écoute. Il faut que tu mettes de l'émotion. Je vais te donner un discours, tu le prends, là. Tu fais ce que tu veux avec, là, mais écoute bien ça. Tu mets juste de l'émotion, pas obligé que ça fasse du sens, OK? Le Québec d'aujourd'hui, c'est le Québec de demain. Un Québec visionnaire, porteur, parce que c'est ensemble qu'on peut se rassembler. Tu as vu la finale? Ça veut rien dire, ça. Oh my god, j'ai des frissons, moi. Je suis capable. Guillaume, je voterai pour moi. Ta gueule. Ah, il y avait de l'émotion là-dedans, par exemple. Ça sent bien. On va faire de quoi avec toi? Maintenant, tu vas comprendre.